Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mass Effect 2 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après avoir fait le tour de la citadelle, on va tout de suite aller sur Omega pour pouvoir recruter le professeur. Creusé à même la carcasse d'un astéroïde mécanique, enfin métallique pardon, Omega est depuis des millénaires le fief des criminels terroristes et laissés pour compte. Parfois elle reste à l'abandon pendant des centaines d'années pour être réactivée par tel ou un ou tel nouveau groupe de hors-la-loi cherchant à prendre un nouveau départ. La station originale et élégante est désormais constituée d'extensions chaotiques conçues par des factions de différentes espèces. Il n'existe ni gouvernement centralisé ni autorité fédératrice sur Omega. Et de mémoire d'habitants, il n'y en a jamais eu. Population 7,8 millions. 45 km quand même, hein. Là, je vais vous montrer comment on atterrit. Ouais, ça, on faut le passer, hein. C'était pas très, très utile. Alors, oh, 4 points. Là, je n'ai que 2 points encore et je n'ai que 2 points ici aussi. Ah, bienvenue sur Omega. Première visite, pas vrai? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous. Oh, salut Mokan. J'étais juste en train de. Barre-toi, Farnut. Et plus vite que ça. Bien sûr, Mokan. Tout ce qu'elle voudra. Foutu charognard. Bienvenue sur Omega. Vous savez qui je suis? Évidemment. On vous a identifié dès que vous êtes rentré dans l'espace Terminus. Vous n'êtes pas aussi discrète que vous le croyez. Aria veut savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. J'irai parler à votre chef quand je serai du monde. Bien de vous... Allez-y, maintenant. Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordine Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Alors, oh, ça a l'air grand. Ça m'a l'air grand tout ça. Alors attendez une petite seconde. Oui, me revoici, désolé. Je voyais ma souris sur l'autre écran, c'était un peu dérangeant. Alors ça c'est quoi? C'est l'au-delà, c'est cela? Allez, laissez-moi entrer. Allez-y. Aria vous attend. Allez, laissez-moi. Tu regardes quoi comme ça? Vous n'avez rien de mieux à foutre que de chercher la castagne avec des individus. Seulement avec ceux qui me reviennent pas. Visez mon arme. Vous y tenez toujours? Ok, ça passe pour cette fois. Un de ces quatre. Ah. Style la zone. Salon privé verrouillé, d'accord. Allez voir Aria.
Voici Arya. C'est assez près comme ça. Des armes, vous êtes un peu à côté de la plaque. On n'est jamais trop prudent. Surtout sur Omega. On m'a dit de m'adresser à vous si j'avais des questions. Arrête. Tout dépend des questions. Vous dirigez Omega ? Je suis Omega. Mais il vous en faut encore. Tout le monde a besoin de quelque chose. Je suis le boss, le PDG, la reine, si vous voulez verser dans le gros guignolesque. Peu importe. Omega n'a pas de souverain. On ne fait pas chier Arya. On n'aime pas se faire emmerder. Et sur votre vaisseau, votre avis apporterait ici ce soir. Que puis-je faire pour vous ? Je suis à la recherche d'Archangel. Vous n'êtes pas la seule. Vous voulez sa peau, vous aussi ? Pourquoi en ont-ils après lui ? Il croit se battre pour la justice. Ça lui pendait au nez. Il a contrarié pas mal de monde. Pile le genre de type que je recherche. Ah oui. Vous associez avec Archangel à condition d'arriver jusqu'à lui. Sa situation actuelle est loin d'être enviable. De quoi parlez-vous ? Les mercenaires locaux se sont entendus. Ils ont réussi à le coincer. Ils recrutent des volontaires. Ça m'a tout l'air d'être notre ticket d'entrée. Ils utilisent un salon privé pour leur recrutement. Juste là. Que pouvez-vous me dire sur... Pas autant que je le souhaiterais. Il a rappliqué ici. Chacun n'obéit qu'à ses... Il est aussi stupide qu'idéaliste. Il a tout juste... Quel groupe de mercenaires en ont après ? Les Soleils Bleus. Eclipse. Ils se détestent copieusement, pour ne pas dire plus. Vous haïssez Archangel ? La haine est un passe-temps coûteux. Mais je les laisse s'entretuer. Vous haïssez Archangel. Je les laisse s'entretuer. Merci de votre aide. Vous serez moins disposé à me remercier quand les mercenaires comprendront. Je recherche Mordine Solus. Vous sauriez où je pourrais le trouver ? Le médecin Galarien ? Aux dernières nouvelles. J'ai du respect pour lui. Avec lui, c'est qui tout double. Soit il vous soigne, soit il vous colle une balle. Que pouvez-vous me dire à ce sujet ? Il a servi dans les unités spéciales un conseil. Si vous tenez tant que ça à le trouver, prenez une navette pour la zone de quarantaine. Rien donc ne dit. Vous êtes au courant de tout ce qui mérite d'être su, oui. Dans ce cas, allez faire un tour dans les ruelles et payez à boire à l'un des mercenaires. Mieux encore, adressez-vous à une... Ne me faites pas perdre mon temps. Racontez-moi comment vous avez monté votre... Je sais m'entourer de mes ennemis comme de mes amis. Or, vous ne faites pas... En somme... Un scan et on passe direct aux affaires ? D'habitude, on cherche... Votre mort n'a pas été médiatisée, mais c'était loin d'être un secret. Je devais m'assurer. Ce dont vous avez besoin viendra de lui-même. Je suis curieuse, mais Omega se fiche pas mal de vous. Et je serai là, peut-être. Ok. Il paraît que vous recrutez. Tu auras pas de plaisir quand le travail sera... Tu t'es bourré de porte, chérie. Les stripteaseuses, c'est par là. Même pas un sourire. Eh ben, alors tu viens de battre. On peut dire ça, oui. On paye cash 500 crédits chacun, une fois. Chacun apporte ses armes. Et pour info, ça fait pas de toi un membre des... Des questions ? Comment ça se fait que les mercenaires se soient alliés contre Archangel ? Ça fait pas longtemps que t'es sûr. Il fait tout ce qu'il peut pour nous enfler. Des cargaisons qui... Tarak et les autres en ont marre de paumer des crédits. Il est coriace ? Combien de gangs ? Coriace ? Plutôt, ouais. Tarak avec les Soleils Bleus... En fait, c'est Tarak qui a la haute main, mais les autres refusent de le reconnaître. Ça doit être uniquement pour éliminer... Où aura lieu l'attaque ? À la base d'Archangel. Où exactement ? J'ai pas le droit de le dire. Mais on s'occupe du transport. Ça a l'air un peu disproportionné. Il avait une équipe avec lui, mais on s'en est... Mais il a l'avantage. Il s'est préparé à ce genre d'attaque. On a déjà perdu pas mal d'hommes en tant que... Ça ne va pas être une mince affaire, d'ailleurs. Pire que de chasser un vent. Si on envoie plein de monde sans lâcher la pression, on finira bien par l'avoir. Sur place, qu'est-ce qu'on fait ? Les mercenaires... Aux dernières nouvelles, les freelances se sont affectés au... En gros, on est de la chair à canon. Et pas... Et puis, il va quand même pas tous vous tuer. Où va-t-on ? Va à la gare route. Faites entrer le suivant. Salut,
c'est ici pour m'inscrire ? Tu as l'air un peu jeune pour être freelance. C'est bon, j'ai l'âge. J'ai grandi sur Omega, je sais me servir d'une arme. Archangel aussi. Je sais me défendre. Et puis ce flingue m'a coûté 50 crédits. J'ai envie de le tester. Fais-toi rembourser. Hein ? Non, mais qu'est-ce que... Non, vraiment, petit. Tu me remercieras plus tard. D'accord, le centre transit. On va refaire les étages en dessous. Commandant Shepard, je suis Elena Blay. Vous avez renversé deux barons du crime et vous m'avez persuadé de me ranger. Je ne l'oublie. Et vous voilà sur Omega. Vous vous trompez, commandant. Vous m'avez ouvert les yeux. Aujourd'hui, croyez-le ou non, je me suis reconvertie. Une vocation plutôt vaine dans un Justement, c'est sur Omega. Ce genre de vocation impose qu'on soit au fait des ficelles du métier. Ce travail... Je n'aurais Et pas pourtant, cru pourtant, il y a... Ce quelqu'un, c'était vous. Vous m'avez persuadé que je pourrais employer mes talents. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Ce qui nous amène... L'endroit me convient. Je lui apporte une certaine touche. Je dois y aller. Naturellement, vous avez sans doute mieux à faire. Elena Blake, je ne me rappelle plus trop de elle dans le 1. C'est quoi cette danse? Rien par là. Ah, viens, s'il te plaît. Tenter, c'est bien le mot. Pour autant que je sache, mon pote et moi, on était venus arroser l'inauguration de notre affaire. Jake a picolé comme jamais, et une heure après... Je vais aller rendre la monnaie de sa pièce. Il ne s'attend. Donnez-lui ce qu'il mérite à cette raclure. Ah là là, je vais le buter celui-là. Alors où j'en suis ? Je suis où exactement ? Omega opère comme ceci depuis longtemps. Personne ne va changer la donne à présent. Chaque crédit que j'empoche financera mon voyage loin de cette maudite station. J'ai besoin de pièces et d'équipement. Eh bien... C'est d'accord. Marché conclu dans ce cas. Qu'est-ce qui amène quelqu'un comme vous ? Et vous voyez où ça m'a mené. Combien est-ce qu'il vous faut pour Il me faut encore... C'est moi qui me suis mis dans ce pétrin. C'est à moi de m'en sortir. Tenez. Je vais de ce pas acheter mon billet. Ah, celui-là, oui. Fallait les acheter. On reviendra ici après. Omega, quel trou paumé.
Au moins, ça force à rester sur ses gardes. Je suis déjà venu ici pour affaires. À chaque fois, j'avais envie d'une douche en partant, en plus de la décontamination réglementaire. Alors, on va s'occuper de ce vilain petit barman. Hein. Merci. Oui, non. Paquet 18. Alors, où est-ce que cela mène, pardon. Ah, c'est lié aussi. Ah oui, d'accord. Très bien, très bien. Au lieu de faire tout le tour comme un débile, j'aurais pu passer par la directe. Hein. Mais c'est pas grave. Ceux que j'ai tués, on les a oubliés depuis longtemps. Pourquoi vous appelle-t-on Patria? J'ai une sorte de prescience. Je tiendrai ça d'un genre Elle m'a gardé à portée de main en tant que conseiller. Il faut que j'y aille. D'accord. C'est l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire d'Omega, bien entendu. Alors, je fais le tour, bien entendu. Le commandant Shepard, héroïne de l'humanité, après avoir déjoué les plans de sa reine. Notre intelligence est cette fois-ci
J'ai peut-être quelque chose pour une humaine. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Tout et n'importe quoi. Il y a pas mal. Je suis d'humeur à claquer mon argent, mais je trouverai sûrement mieux ailleurs. Vous ne trouverez nulle part de meilleurs articles, à moins de vous frotter au marché noir. Plutôt traiter avec vous que d'arroser ces voleurs. Vous ne pouvez pas faire un effort ? Écoutez, je ne peux. Je ferai ce que je peux. D'accord. C'est la zone VIP là-bas donc. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a quoi derrière cette porte ? La section VIP de la boîte. Pour ceux qui. J'aimerais ont... bien passer. Non, ça ne vous conviendrait pas. Vous trouverez toutes les boîtes. Je vous laisse un peu profiter de l'ambiance de la zone, hein. Ah bah c'est la zone de quarantaine. Expiez vos péchés. La fin est proche. Alors, attendez que je regarde. D'accord, donc c'est là. Contaminé, ce n'est pas en vous plaignant que ça vous est dit de circuler. Toute la zone est bouclée. Espèce d'idiot, je suis humaine. Le virus est sans effet sur nous. Laissez-moi le virus est en train de tuer toutes les autres races du quartier. On ne veut courir aucun risque. Personne n'entre. Vous voulez dire que les bas quartiers sont totalement inaccessibles. Enfin, une humaine qui m'écoute. Oui. Laissez-moi passer, on va. Écoutez, je fais ça dans votre intérêt. D'ici quelques semaines, tous ceux qui sont coincés là auront été tués par le virus ou je les. Je ne pensais pas qu'Omega était policé. Qui a ordonné la quarantaine? Vous venez de débarquer, pas vrai? Toutes les entre... Elle nous a engagés pour s'assurer que personne n'entre ou ne sorte de la zone sous quarantaine. Il y a un galarien dans les bas quartiers, le certain. Ce vieux fou a ouvert une clinique là-bas, il y a quelques mois. Ça n'a pas plu au soleil bleu. Il paraît que Mordine essaie de trouver un remède au virus. J'espère qu'il va réussir. Mais d'ici là, on maintient la quarantaine. Nous avons l'ordre d'attendre que le virus ou les soleils bleus aient tué tout le monde et de faire le ménage ensuite. Vous savez où trouver la clinique non. demain ? Non. Quelle importance ? Le quartier est en quarantaine, je vous le rappelle. Faites-moi un topo sur ce Ça virus. Commence par une quinte de toux. Ça ne se cantonne pas à une seule espèce. Un virus présent dans l'air qui se propage à plusieurs races. On est obligé de prendre... Qui c'est ça, les soleils un bleus ? Gang... Raison de plus pour ne pas y entrer. Je ne savais pas que certains virus c'est... étaient... Et vu que les humains profitent de leur immunité pour Écoutez, piller... vous êtes coincés. L'essentiel, c'est de régler le problème au plus vite. Et ça, régler les problèmes. Si vous vous croyez à la hauteur, pourquoi pas ? La quarantaine, Quoi c'est surtout pour... Quoi ? Vous me refoulez et pas ces gens-là ? Vous avez un lance-grenade ? Non ? Alors circulez. Heureusement, le virus n'affecte pas les humains. Ok. Donc on va commencer d'abord par retrouver Morin Solus. Pas Morin, parce que je viens de dire. Alors deux points... Non, pour le moment, on reste comme ça... Non, on va rester avec ce projecteur de trop noir. Alors, est-ce qu'on aura une carte par hasard ? Non. Ce serait trop simple sinon.
Bonjour mes petits. Est-ce que je peux faire quelque chose avec... Non. Non, je peux rien faire. Bonne chance à vous. Les soleils bleus et les Borchas tirent sur tout ce qui bouge là-dedans. Ennemi en vue. Ils se sont contentés de laisser les Maccabées dans les rues. Des cadavres incinérés. Ils doivent se dire qu'Ambre... Inhumaine. Non seulement vous nous refilez ce virus, mais vous n'avez même pas la décence d'attendre que je meure pour me voler mes affaires. Je peux faire quelque chose pour... Bah les pattes, humaine. Et tout ça, c'est à cause de votre virus. Alors épargnez-moi votre fausse compassion. Je dois trouver Mordine. Les humains qui recherchent leur laquais. Et vous, j'espère que... Que vous... Merde. Allez, restez avec moi. Tenez, ça ne va pas vous guérir, mais vous vous sentirez mieux. Vous m'avez... aidé? C'est mon rôle. Je ne sais pas si j'arriverai. Vous semblez... sincère. Que voulez-vous savoir? Quand je trouverai Mordine, je lui parlerai de vous. S'il a un remède... Merci. Je ne veux pas mourir. Je veux bien... Qu'est-ce que Mordine peut avoir... Les soleils bleus ont tenté de le racketter. D'abord, il les a... Ce n'est pas qu'un médecin. Un médecin n'accroche pas les cadavres de ses victimes en guise d'avertissement. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de... L'épidémie est trop virulente pour être d'origine naturelle. Une propagation aussi rapide, et comme les humains sont la seule espèce à ne pas être touchée, la conclusion s'appuie. Les Vortchas sont immunisés contre le virus, non? Et si c'était eux qui l'avaient répandu pour les pouvoir... Les Vortchas sont immunisés contre toutes les maladies. Un virus d'origine humaine ne les affecterait pas. Mais qui plus est, les Vortchas... Je suis désolé. Je comprends que vous refusiez d'y croire, mais les preuves... Je dois trouver Mordine. Il dirige une clinique à l'autre. Jusqu'ici, je n'ai pas osé aller le voir. Il est dangereux. Mais il peut peut-être... Vous parliez des Vortchas. Avant la quarantaine, le quartier, les soleils bleus se battent pour protéger leur... Je dois y aller. Au revoir, humaine. D'accord. Ça compte le crédit. Objectif est là-haut. Il n'y a rien ici. On dirait qu'il a tenté d'abattre le mur à main nue. Personne n'a envie de crever comme un animal en cage. Tu m'étonnes. On dirait qu'il a tenté d'abattre le mur à main nue. Ok, donc voyons voir la troisième entrée. Ok. Donc ils deviennent complètement fous du virus, ça.
Donc normalement, il y a un petit, comme j'avais dit, il y a un petit mini-jeu pour ça, pour pouvoir déverrouiller, mais moi je l'ai désactivé, hein. Ouais, bah on voit que ça a bien marché. Un poil bleu. Ah oui, à couvert. Un poil bleu. Un poil bleu. Petit cadeau. Non, je l'ai mal visé. Pas cette arme-là. C'est celle-là, voilà. Alors, est-ce que j'ai récupéré mes munitions? C'est quoi ce truc? J'ai vu qu'il y avait un étage. Allons voir. Descendre à pied, pardon. Alors, on déverrouille tout ce qu'il y a sur notre passage, hein, bien entendu. Des réfugiés. Depuis que le virus est apparu, les soleils bleus cherchent à nous abattre. Ils font autant Pourquoi de morts. Pourquoi est-ce que les soleils bleus vous traquent? On ne leur a rien fait, mais à peu près tous les non-humains du quartier veulent notre peau. Ils croient qu'on est à l'origine du virus simplement parce que les humains n'ont pas de symptômes. Dieu sait combien d'entre nous, ils ont déjà tué. C'est plutôt les Vortcha les suspects dans l'histoire. Depuis que le virus est apparu, ils prennent petit à petit la place des soleils bleus. Vous dites que les Vortcha ont débarqué juste après l'apparition du virus? Quand le quartier a été mis en quarantaine, oui. Les Vortcha sont immunisés contre les maladies. Le virus ne leur faisait rien. Je ne sais pas trop d'où ils venaient. Il n'y avait pas beaucoup de Vortcha. Le problème, c'est que personne ne juge les Vortcha assez intelligents pour concevoir un virus comme ça. Il faut un autre bouc émissaire. Vous dites que les Vortcha Ils essaient en tout cas. Les soleils bleus ne se laissent pas faire. Le virus là, les Turiens cèdent du terrain. Plus vous avancerez dans le quartier, plus vous allez voir de Vortcha. Sauf s'ils vous voient. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les premiers cas datent d'il y a environ 2 semaines.
En général, il faut une semaine pour en crever. Mais le virus se répand vite. 3 jours après l'éruption... C'est là qu'on s'est aperçu que les humains n'étaient pas affectés. Puis, le quartier a été mis en quarantaine et tout a dégénéré. Pas avec certitude. Le virus est sans doute... Maintenant, il se contente d'abattre les malades. Parlez-moi des soleils bleus. C'est un gang de mercenaires. Tant qu'on se laisse... Les soleils bleus, on est au courant. Je dois trouver Mordetis. Ah oui, ce type. Il paraît qu'ils accueillent les réfugiés, qu'ils essaient d'aider les victimes du virus. Mais bien sûr, un docteur avec des mécas militaires qui aide les gens... Vous n'avez pas l'air de tenir le docteur. Les Vortcha ont tenté d'entrer en force. Il les a abattus froidement, comme ça. Ensuite de quoi, les soleils bleus ont appris qu'ils hébergeaient des humains. Et ils sont... Eux aussi, il les a tués. Et puis il est rentré, il s'est remis au travail. C'est quelqu'un de très froid. Un agent des forces spéciales, peut-être. Vous ne pouvez pas rester confiné ici. Vous plaisantez ? C'est du suicide. Et puis en plus, qu'est-ce que j'en sais que ce galarien est vraiment disposé à m'accueillir ? Je comprends vos craintes. Mais la clinique de Mordine est... Par contre, je vais essayer de nettoyer la zone pour que vous puissiez me suivre. Vous avez raison. On va vous attendre ici le temps que vous fassiez un peu... Avec un peu de chance, on surveillera là. Oui, avec un peu de chance. Alors, où c'est exactement ? Ouais, c'est bien par là. Ouvrez-moi cette porte. Cadeau. Ah, il se heal, c'est chiant ça. On dirait qu'on est passé en territoire Vortcha. Les soleils bleus ont concédé pas mal de terrain. Ouais. Ils sont sur la mauvaise pente. Alors... Les premiers. Hey, vous êtes sourde ou quoi ? Ah, laissez tomber. Il y a que de la camelote ici. C'est encore pire que la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est quoi, le typo ? Nous, tout ce qu'on fait, c'est dresser l'inventaire de ces biens matériels. Voler les morts, c'est pas très. Où est le problème ? On a l'esprit d'entreprise, c'est tout. Si on n'a pas à craindre. Et puis si nous, on s'en occupe pas, les Vortcha ou les soleils bleus. Arrêtez vos pillages. Sinon quoi ? Vous allez nous descendre ? Ce virus ne va pas durer éternellement. Quand les soleils bleus... Ouais, mais bon, si ça se trouve... Tout ça pour 2-3 babioles de turien et quelques... On voulait juste se faire un peu d'argent, en fait. En plus, on a quasiment rien trouvé d'intéressant. Ouais, vous avez raison, ça vaut pas le coup. Vous connaissez un galarien qui s'appelle... Ouais, si vous allez par là, prenez plein de munitions. Ça grouille de soleils bleus et de Vortcha. Oh, pas grand-chose. On s'est dit sur le coup, on s'est dit que c'était une bonne qu'est-ce idée. Qu'est-ce que vous savez sur les Vortcha ? Je les passe vite, hein, les dialogues d'enquête. Moi, ce que j'en dis, c'est au cas où ça doit rainer des missions. Ouais, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on a compris le message. On va rien voler.
Petit peu de munitions quand même. On va encore continuer un peu jusqu'à arriver à Morin Solus au moins. Ah, la clinique est juste là. Tenez-vous à carreau dans la clinique si vous ne voulez pas avoir affaire au méca. Bien vu. Mordine doit être dans le coin. Allez lui parler. Quelques paires de bras en plus. Pas le temps de discuter, désolé. Allez voir Mordine. Pas de map toujours. Avant d'arriver ici, on a vu des humains qui pillaient les logements des victimes. C'est révoltant. Cette clinique est un sanctuaire. Si vous cherchez des emmerdes, cherchez-les ailleurs. Mordine m'a sauvé la vie. Professeur, on va être à court de cypoxidine. Prenez de la malanadrine. C'est l'équivalent. Ça donne des crampes aux butariens. Rajoutez du butémérol pour éviter ça. Malanadrine et butémérol. Compris. Catalyseur, cénosine. Interagit avec des marqueurs génétiques. Difficile à trouver, cher à produire. Pourquoi pas de l'éplacor ? Trop instable. Non, c'est toxique pour les humains. Ok, donc on va aller voir Mordine Solus. On fait d'abord le tour de la zone. Oui, bonjour, je viens piller chez vous. Pardon. Professeur Mordine Solus ? Votre visage ne me dit rien. Les réfugiés sont moins bien armés. Présence due à un autre motif. Élimination des Vortcha ? Peu probable. C'est un symptôme, non une cause. Le virus ? Examen des applications militaires. Non, trop d'armes, pas assez de matériel de recherche. Des soldats, pas des scientifiques. Des chasseurs de primes, peut-être ? Du calme, Mordine. Je suis le commandant Shepard. Je viens vous demander de l'aide pour une mission de la plus haute importance. Une mission ? Quelle mission ? Ah non, trop de travail, pas assez de personnel. Propagation trop rapide, qui vous envoie ? C'est un groupe secret à capitaux privés. En rapport avec le virus ? Pas de propagation aux humains. Intérêt humano-centriste, peu de groupes. L'équipement dénote une origine militaire. Alliance ? Dotation non standard ? Pas de spectre humain. Terra firma ? Trop instable. Une seule possibilité. C'est Cerberus qui vous envoie ? Surprenant. Vous êtes bien informé ? Comment un scientifique... J'ai eu affaire à eux de loin en loin. Je croyais qu'ils travaillaient uniquement avec les humains. Pourquoi chercher l'aide d'un galarien ? Les récolteurs kidnappent des colonies entières d'humains. Intéressant. Le virus est artificiel. Les récolteurs sont l'un des rares groupes technologiquement à même. Il faut d'abord arrêter le virus. J'ai déjà un remède. Il faut le répandre au centre de contrôle atmosphérique, gardé par les Vortcha. Fusillade prévisible. Je vais y aller. Les Vortcha. C'était quoi, ça ? Les Vortcha ont désactivé les systèmes atmosphériques. Ils essaient de tuer tout le monde. Il faudrait... Tenez, le remède. Et un bonus en gage de confiance. Une arme lourde. Encore une chose. Daniel, un de mes assistants. Il est allé en territoire Vortcha, à la recherche de victimes. Il n'est pas rentré. Si je le vois... Merci. Je lui avais dit de ne pas y aller, mais il est malin. J'ai trouvé un butarien infecté en arrivant dans le quartier. Les soleils bleus et les Vortcha sont toujours à couteau tiré. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? C'est logique que ça n'a fait. Les humains sont connus pour leur diversité. Possible collab... Je serais bien parti à sa recherche. Il y a eu rien de grave. Les soleils... C'est l'avantage d'être galérien. Direction la centrale... Alors, le M6 canon là-bas. C'est ça. D'accord. On va avoir notre arme. Alors on n'aurait pas les... Non, on les a pas. D'accord.
Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était The Stealth, prochain Dimon HD. Passez une bonne journée, une soirée et vive les jeux vidéo.